Mais Vidoine, allez, levez-vous. Hein? Mais Vidoine, c'est juste en face à la boulangerie, regarde. L'autre côté, vas-y. Un, deux, trois. Un, deux. Stop. Ah oui, c'est du boulot. Le jogging du matin, on va dire. Regardez les arbres, que ça passe bien. Quand on redémarre, eh ben, on est content. On est content, allez, on est reparti. C'est notre métier, c'est notre vie. On est la cinquième génération. Cinquième génération à faire du sien. Je pense que mon fils, comme il nous voit faire avec mes beaux-frères, qu'on trace au chapiteau, qu'on place les convois, il rêve. Il rêve, c'est un grand rêve pour lui. Mesdames, mademoiselles, messieurs, petits garçons et petites filles, ce soir de ma voix magistrale, c'est le cirque qui vous parle. Deux doigts de maquillage, quatre sacs de paillettes, une vieille caravane d'illusions. C'est vrai que c'est beau, c'est joli, c'est magnifique, mais on a un métier théoriste. C'est tout, on peut. On descend, on va voir les animaux, il peut arriver quelque chose, au spectacle, sur les routes. Et ça, je suis beaucoup anxieuse de ça. Bravo. Je vais m'arrêter après, je vais m'arrêter. Je crois qu'on a un petit problème, les gars. On a un embrayage qui patine et je crois qu'il va pas faire la route. La misère commence! Je suis dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il faut que je change la boîte à vitesse du camion dans la journée et il faut que je trouve un bout de place pour m'arrêter. Alors je crois que je vais me mettre tous les camions en ligne là pour pouvoir démarrer et faire ce que j'ai à faire. Mais s'il faut que j'aille tourner là-bas, que je revienne là et que je repasse ici. L'histoire est pas simple, mec. Une boîte à vitesse, un garage, il la démonte en deux jours. Il faut qu'on fasse ça en 3 ou 4 heures. L'air de repos, là, il est pas bien. Ah, c'est... Mais il faut démonter la boîte à vitesse du camion, les gars. D'accord. Tu vas pas le faire sur la station. Dis-lui. Dépêchons-nous, avant que la police arrive, les gars. C'est très mouvementé. On a encore 400 km à faire.